tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans ce troisième vlog à Los Angeles. Il est ce matin 11h, donc il est tard. Pour être vraiment totalement transparent avec vous, il est aussi tard et je suis tout seul dans la chambre parce qu'on s'est embrouillé avec Léna. Vraiment les embrouilles frères et sœurs. Léna elle est sortie avec mes parents il y a 20 minutes. Du coup, c'est parti. Notamment une des causes pourquoi on s'embrouille avec Léna, parce que c'est le gros bordel et que je suis le genre de mec chiant qui n'aime pas le bordel. Et du coup, ça part en embrouille parce qu'elle veut pas ranger et moi je veux qu'elle range. Et du coup, je range à sa place. Et du coup, après, on s'embrouille. Voici ma tenue, comme d'hab, je suis désolé, c'est en contre-jour, donc on voit pas très bien. On vient de chez Urban Earth, voilà, même la chaîne, le pantalon, les lunettes, ce sont des Urban. Et mes shoes, c'est mes Balenciagas. Let's go avec mes lunettes de agent FBI, conquérir Rodeo Drive. Rien pris, j'ai littéralement pris mon plus petit sac, parce que je pense que pour aller faire Rodeo Drive, en fait, il y a juste besoin de prendre ta carte de crédit et c'est tout, quoi, parce qu'il y a que des magasins. On a acheté depuis que je suis arrivé, donc là, c'est parti, je pense que je vais me faire un peu plaisir, un peu beaucoup, un peu trop, on verra. En vrai, je suis, ça va, genre, si j'ai coup de cœur, si j'ai pas de coup de cœur, je repartirai les mains vides. Si j'ai coup de cœur, par contre, faudrait pas qu'il y ait trop de coup de cœur pour ma carte bleue. Hein. Bon, là, je vais sortir de l'hôtel et en fait, j'ai tourné pour traverser. Et ça fait littéralement 6 minutes que j'attends que ça passe au vert pour traverser, enfin au passage piéton. Donc ça fait 6 minutes que j'attends comme un con. Alors je sais pas s'il faut s'engager, même si c'est marqué genre comme ça. Et vu que j'étais pas sûr, j'ai préféré prendre une autre route. Parce que je me suis dit, si je passe alors que les voitures, ouais, elles doivent passer, que c'est vert pour les voitures, que je me fais écraser, on va éviter la catastrophe. Putain, on peut pas marcher sur ce trottoir. Trottoir est fermé, du coup je dois traverser. Je suis dans la même galère que tout à l'heure, j'aurais pas dû faire un détour. Je suis littéralement perdu. C'est génial, j'ai pas d'internet, du coup j'ai pas de GPS. Donc je suis vraiment perdu là. Ok, bonne nouvelle, j'ai réussi à traverser. En fait, fallait tout simplement appuyer sur un bouton pour accélérer le passage pour les piétons, parce que c'est priorité aux voitures. J'ai réussi, je suis grave en retard, parce que du coup ça m'a fait perdre bien 10-15 minutes. Mais ça va, je pense que je vais réussir à y arriver. Mais en fait j'ai pas de wifi ni d'internet ni rien, donc je peux pas mettre de GPS. Et moi sans GPS je suis clairement, j'ai aucun sens de l'orientation. Je vous tiens au courant si je suis bien arrivé. Je vais me dépêcher là, voir courir. Bon, ce qui est sûr c'est que je suis sur une avenue. Après je sais pas si, du tout si je suis sur Rodeo Drive. Oui, j'y suis, oui, oui. C'est bon, je les ai enfin trouvés. Après 10 minutes de recherche, j'étais dans la mauvaise rue, enfin. La réconciliation. C'est la réconciliation officielle ou pas? C'est quoi ce petit ouais là? Vous avez dû voir, je me suis changé. Pourquoi? Parce que j'ai peut-être un peu craqué. J'ai pris ce t-shirt chez Balenciaga. C'est le t-shirt bébé mode que je veux depuis super longtemps, qui n'était plus disponible. Du coup aucun regret, enfin hyper content. Je vais aller manger au Earth Café. Donc c'est un café qui me donne super envie depuis super longtemps, que je vois partout sur les Instagrammeurs que je suis, etc. Qui mangent tous là-bas. C'est des trucs un peu healthy, très instagrammable, machin. Donc tout ce que j'aime. On est là à gauche. On a mis le GPS parce que comment vous dire que on galère déjà qu'avec le GPS j'arrive pas à m'orienter, mais alors sans un carnage. On est dans 6 minutes, donc archi hâte parce que j'ai archi faim. Léna, tu vas être chouque, vraiment ça va être archi bon. Surtout je vais prendre. Ce matin on a fait une petite heure de boutique plutôt luxe. Bon, Léna elle a été forte, elle a repéré un truc de sushi, donc au pire des cas, vraiment il y a trop de monde. On se rabat sur sushi. Bon, j'en ai déjà mangé hier moi, mais c'est. Enfin elle d'ailleurs Léna aussi. C'est pas grave. Au pire s'il y a trop de monde, on a notre biplane, c'est nickel, pas. Bravo. Cheers. Non, cheers, faut dire. C'est cheers. Cheers. C'est pas chin. Cheers.
Donc du coup on s'est posé à une petite terrasse qui est fort sympathique d'un hôtel, parce que du coup c'était plein là où on voulait aller. On est un peu deck, on s'est mis sur une terrasse d'un hôtel qui est en face de Rodeo Drive. Donc du coup on est vraiment juste en face là pour le coup. On a la jolie vue sur tout Rodeo Drive dans une belle petite terrasse style à la parisienne. On adore, avec table en marbre, donc ça j'adore. On se pose pendant le temps de manger vraiment. On va rester jusqu'à 14h20 à mon avis ici. Après on rentre à l'hôtel, il nous reste genre une heure avant qu'on reparte. Donc pendant cette heure-ci on voulait aller se baigner dans la piscine sur le rooftop de l'hôtel qui est assez sympa. Petite journée. On est full shopping qui va être assez cool. Regardez Léna, elle est sur son tel et elle est, je vous jure, elle est accro. En plus elle fait pas exprès, elle s'en rend pas compte, je vous jure, elle passe des heures sur son tel, elle s'en rend pas compte. Ça va que des fois et souvent c'est pour répondre à ses comptes fans entre guillemets, enfin pour répondre à ses abonnés, à ses commentaires, donc ça c'est bien. Mais quand même elle est trop sur son téléphone, bref. On a reçu notre petit plat, donc moi j'ai pris du poulet et tout ça avec des frites en accompagnement. Et Alex il a pris une pizza à la truffe, mais de base il avait commandé celle au saumon. Mais elle se sont trompés, bravo. Ça sent grave bon, ça a l'air. Mais c'est pas grave, de toute façon elle a l'air super bonne. Alors tu me feras goûter une part, Alex. Alex prend sa petite photo. Je galère, j'y arrive pas là, ça me stresse, il y a des voitures devant et tout. Bon tout le monde, donc là on est encore sur Rodeo Drive. On vient de finir de faire photo boutique Total. Et je vous tiens au courant une fois qu'on est arrivé. En rentrant en direction d'hôtel, j'étais en train de prendre une photo. Et il y a une abonnée qui est venue me voir, donc ça me fait archi plaisir. Donc je te fais un gros coucou si tu passes par là. Par la vite, viens, on traverse. Tout était archi sympa, ça fait archi plaisir. Déjà de voir des Français, en plus d'une abonnée. Et en plus qui est hyper sympa, donc là c'est le must, donc je te fais plein d'énormes bisous. Et j'ai aussi croisé des abonnés super choux à l'aéroport de Tahiti. Du coup voilà, je te fais un coucou à toi aussi, ça fait archi plaisir de vous voir au bout du monde en plus, c'est archi drôle. Par contre j'adore vraiment Los Angeles parce que je vlog et personne me regarde mal. Enfin si, mais en tout cas pas, ils me regardent pas mal, genre ils me regardent juste bizarre, c'est hyper agréable. Parce que j'en avais marre de me faire défigurer chaque fois que je vlog en France. C'est hyper gênant, t'as tout le monde qui te regarde. Là je suis tranquille, je vlog dans les rues avec tout le monde derrière. Léna a un petit outfit qu'elle s'habille pareil depuis 5 jours. Là on va faire du shopping, ça va lui faire du bien. Bah si, tu t'habilles un peu pareil hein. Bah en même temps, elle a changé de vêtements au moins 2 fois par jour à Bora Bora. Je lui ai dit Nana, garde des vêtements pour Los Angeles. Elle me disait non, t'inquiète Alex, c'est bon. J'ai acheté un truc chez Balenciaga. Une prochaine fois peut-être. Le même t-shirt pour femme. T'auras le temps va d'avoir des trucs Balenciaga et tout, t'inquiète. En attendant t'as le sac, tu peux le porter. C'est déjà quelque chose de pas mal non. L'hôtel est là. Oui. Re tout le monde, donc là on est dans la chambre, on est rentré juste 20-30 minutes histoire de boire un coup d'eau, se poser 3 secondes et repartir. Toujours avec Léna qui a rangé ses affaires, donc c'est bien. T'as vu ma valise? Bon c'est bon, je veux pas voir. C'est une Léna Tamburini qui avait hâte de faire du shopping vraiment, parce qu'elle a rien acheté, elle a acheté ses Vans. C'est bien, au moins t'as été raisonnable. Moi qui pensais qu'on allait avoir besoin de racheter une valise, bah honnêtement, pas forcément, donc c'est cool. Après là-bas, Alex m'a dit qu'il y avait des... Ouais, il y a grave de boutiques, hein, donc... Par contre, sur Google Maps, j'ai vu que Zara. Hein. Parce que Zara, on s'en fout un peu parce qu'on l'a en France, donc... On fera un petit haut là en revenant. Si t'as acheté des choses, j'espère pouvoir. Du coup, on n'est pas allé à la piscine finalement, on a grave pas eu le temps, du coup on ira demain tranquille. Là on va à The Grove, le centre commercial pour encore shopping, c'était grosse journée shopping aujourd'hui. On y go, nos parents nous attendent, ils sont allés demander la voiture au voiturier juste en bas. C'est parti, let's go pour faire du shopping, ça va être oui, super cool, enfin. Let's go. Let's go faire du shopping. Oh, y'a Ray-Ban là-bas tu m'as dit. Ouais. Oh, je pourrais m'acheter des Ray-Ban comme toi. Tu les veux? Oui. Ouais. Copieuse. On veut trop faire la vidéo de Drake. Kiki, do you love me? C'est trop drôle quand on va faire un challenge jusqu'à Alex, il ne veut pas du tout danser. T'es sérieuse? J'ai fait du hip-hop, hein. Je veux dire, je vois pas ce que tu veux dire. Ah cool, y'a personne, ça va pas être gênant.
fait mon sac en bandoulière et je suis prête pour faire la guerre. Allez go, shopping à fond là. On a l'impression d'être dans les reines du shopping. Viens, mâcher les hommes, je sélectionne. Oh non, j'ai envie de faire avec toi les magasins. C'est bon là, on commence à rentrer dans les choses sérieuses. Article à la main. Lena, tu vas être fab avec cette veste. J'adore, on dirait Chewbacca version luxe. Je suis assis pendant qu'elle essaye, j'adore. On va passer la place assise, je suis refait de ouf. Allez, les reines du shopping, à toutes. Ça c'est le bandeau. Premier article, je valide. Par contre, j'ai pas trop signé pour faire la poubelle à article qu'on veut pas, donc merci. Bon, elle le prend l'autre, mais lui, c'est parce que c'est la taille au-dessus. Tu montes derrière ? Ouais. Hyper beau, il est hyper stylé. Allez, à du j'ai vendu. Robe de chambre. Oula, ça va rentrer, on valide pas trop. Il est trop gros. Attends, montre, c'est dans le miroir, regarde-toi dans le miroir là. Ouais, il est un peu trop. Et franchement, ça fait trop over. Ça. Et dans exactement 2 secondes, elle va me jeter le t-shirt à la tête. C'est sûr. Qu'est-ce que je disais? J'adore celui-là. Il est super canon. J'adore, vraiment, je te jure, j'adore. Franchement, oui, je sais que t'as... Il est bon, faut mettre une ceinture. Vraiment, soutenez-moi dans les commentaires s'il était moins long. Dites-lui qu'il était. C'est parti pour les choses sérieuses, étant donné qu'on va chez Topman, donc pour les hommes. Let's go. Ok, la séance shopping pour moi s'annonce plus rapide que prévu parce qu'avec les trucs jaunes fluo... T'es gênant Alex. Je suis content de faire du shopping. Oh non Alex, 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 Alex. C'est... Vous savez, on est pas sûr avec lui, on sait pas ce qu'il va prendre. C'est vrai. Parce qu'il a des goûts assez spéciaux, Alex. Il faut se méfier à tout. Elles te vont bien. Elles pas trop. On a vu le sosie de Cyprien. D'accord. C'est à mon tour d'être assise. Alex essaye son petit pantalon rose. Donc comme ça avec un... Il est sympa. Premier craquage chez Topshop. Yeah. Apple, Lena est toute contente. Regardez-la. Je vais peut-être m'acheter aussi une nouvelle coque parce que regardez la mienne. Elle est crémeuse. Et elle est crémeuse, elle me sort. Elle est cassée là, complètement. Lena, elle est dégoûtée. Au final, c'était elle qui devait l'acheter. Finalement, c'est moi qui me l'achète pour moi. Et il n'y a pas pour son téléphone. Je lui ai carrément volé son idée. On est sorti d'Apple. J'ai littéralement eu la coque jaune que Lena voulait. Et genre, elle l'a pas eu. À la base, c'était son idée, c'est elle qui m'a dit genre, face à Apple pour une nouvelle. Je lui ai dit bof, une nouvelle coque, ouais, pourquoi pas. Et au final, c'est moi qui la voulais le moins. Elle était dispo pour mon iPhone et elle était pas dispo pour l'iPhone 8. Du coup, c'est pas grave, on ira demain pour la prendre parce qu'elle voulait vraiment. Et voilà, là, on continue un peu les boutiques. On rentre chez Sephora. La descente aux enfers commence maintenant. Et elle est la beurette. C'est pourquoi ? Ça ? Coloré. Donc là on est sorti du Sephora, la beurette a fait ses achats, elle est contente. On va à la voiture, on rentre et je vous reprends dès qu'on rentre. Quelque chose comme 21h, on est rentré tranquillou. Ah, j'ai oublié de me brosser les dents. Bon, 15 minutes écoulées, un long brossage de dents plus tard, je peux revenir vous parler, j'avais zappé. Il est 21h, on s'apprête à aller au resto à Coach LA, donc voilà, c'est pas très loin de notre hôtel, c'est à 10-15 minutes. On a une résa à 21h30, donc on va sûrement arriver en retard comme d'hab. Et moi qui disais non, please, give me a table at 20 p.m. Il est 21h30, je suis pas prêt, donc elle a bien fait de me donner la table bien tard. Et voilà, je vais vous montrer mon outil juste après. On est rentré, j'ai fait une petite sieste tout histoire de me rebooster un peu. Là ça va, je me suis mis un peu de musique et ça va. Et voilà, je me suis habillée, je me suis préparée. J'ai plus que mes cheveux vite fait à mettre un petit coup de gel. Et je suis ready, donc c'est cool. On n'oublie pas l'essentiel. Hop là. Et donc pour mon outil, voilà ce que ça donne. Je suis désolé, on voit pas très bien. J'ai une veste de costard qui vient de chez Zara et bon c'est pas trop la saison pour la mettre, mais je me suis dit si j'avais pas maintenant, je l'avais pas avant hiver et j'avais absolument envie de le mettre. Mon t-shirt derrière dessous c'est un Valentino. Un pantalon droit qui vient de chez Weekday qui est hyper bien taillé, donc hyper cool. Et j'avais pas envie de mettre des baskets de marque et tout parce que ça faisait trop. Du coup j'ai mis des baskets casual Adidas pour casser un peu. Bon allez, je vous laisse parce que comme d'hab je suis le dernier et je suis en retard. C'est parti pour la...